Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va bien comme d'habitude. Nouvel épisode de Agrarian Skies, les ciels agrarian. Je sais pas c'est quoi en français agrarian. Agrarien. ouais, de retour pour un nouvel épisode. Je suis pas tout seul cette fois-ci. Je vois Traxos, mais je sais pas s'il est là. J'ai parlé dans le chat puis il m'a pas répondu. Peut-être qu'il me fait le bon. Il est un peu snob, ça a l'air Trax, tu sais comme. C'est un gars qui, c'est comme... c'est des farces, ça a l'air de super bon gars. Super gentil, j'en doute même pas. Plus gentil que moi, probablement. Aristo25490. Beau nom. Je sais pas si c'est parce que c'était le 25490e à avoir ce nom-là. Garamilk. Oh, j'aime ça, ce nom-là. C'est comme Caramilk, mais Garamilk. C'est comme une... Je sais pas s'il y a un secret pour mettre du caramel dedans. Puis il y a cette... Ah, c'est qui, cette cave-là? Kid Canelani, c'est qui, cette épelle-là? Ah, c'est moi! OK, assez de dire des stupidités. Petite maison. Belle petite maison. On a-tu... Ah, moi, j'ai le toit mauve. J'ai un voisin là-bas. Allô! Allô, voisin! OK, bon, c'est assez de niaisage. OK, de retour. Là... Où c'est qu'on était rendu? Là, j'ai appris, j'ai juste 3 vies, ce serveur-là. Fait que faut que je fasse attention. Là, j'ai déjà 3 choses de bouffe et demi de partie. Donc, je vais avoir faim et je vais mourir de faim. On va voir. C'est pas ça que je voulais. C'est ça, là. Questbook. Où est-ce qu'on était rendu? Okay. It's been a horrible 10 years. Change de page. Non, shut up. Shut up. Hordes of monsters from other dimensions on an unsuspecting. Hello? No. Je peux parler. Okay. Click here to start. Okay, bon. Learning to Skyblog. 11%. Completed. Okay, c'est là que je t'ai rendu. Okay. Je vais arrêter de dire okay. In the beginning. You may have noticed you have very little to start with. Almost no land, no food, but hey, you have a floor. Yeah, j'ai un plancher. Be thankful for that much. Now it is up to you to rebuild the entire planet or as much as you can before dying. To start with, I suggest growing some trees. Oaks will supply you with apples and saplings, leaves and string you will be turning into dirt. Place 3 barrels outside where rain can fall into them. Place the other 2 undercover so to create a composting area. Once you have 8 spare saplings, place them in a barrel to compost into dirt. You can compost leaves, rotten meat, apples, wheat, string. Use any eye to look up the recipes. Okay. Grosso modo, faut que je fasse cette affaire-là. Faut que je fasse 3 barils. J'en mets un avec le ciel ouvert en haut pour accumuler l'eau. Puis 2 à couvert pour faire du compostage. Je prends 8 saplings. Bon, ça scrolle plus. Il n'y a plus rien qui se passe. OK. J'ai un petit peu de gel ici, là. Fait que 2 à couvert, faire du compost. 8 saplings dans un baril vont me donner un bloc de dirt. Je peux tuer des feuilles, je peux tuer de la viande pourrite, des pommes, du wheat, de la corde. Puis regardez NEI pour les recettes. Là, je sais qu'avec ça, je peux ramasser des saplings plus rapidement. Mon arbre, est-il poussé? Oui, il est poussé. Génial. On va se faire un crook. Crook. Ça, c'est un crook. OK, c'est juste des bâtons placés de même, relativement simple. OK. Let's go. On va aller accrocher des feuilles. En même temps, mais c'est ça, cet arbre-là, non? Après, je vais me faire une petite hache en bois. J'ai quoi comme bois, moi? Je pense que je vais me faire une petite hache en bois pour commencer. Je n'ai pas de... Ouh, je pense vraiment, ouais, fin, ça me prend une pomme. Quelle chose! Ça me prend de la bouffe! Hey, j'ai ça ici. Un reward bag, un sac à récompense. J'ai oublié de l'ouvrir. J'ai peut-être une pomme. Yeah, j'ai des graines de laitue. 16 graines de laitue. Wow, je vais pouvoir me mettre à diète. Je vais pouvoir perdre du poids. Oh!
Je sais pas si j'en ai besoin pour quelque chose d'autre plus tard, mais je la mange tout de suite parce que j'ai faim. Petit lag. Aïe. Oh, moi, c'est de pas trop sauter. Ouais, pour pas trop avoir faim. Parce que j'ai juste 3 vies. Si je passe à travers mes 3 vies, c'est fini. Traxos me dit, écoute le grand, je te donne 3 chances. Si tu meurs plus que 3 fois, je te bannis du serveur. T'as plus le droit de rentrer. C'est pas vrai, il a pas dit ça. C'est juste le mode qui est fait de même. Si tu meurs plus que 3 fois, mais tu peux gagner des vies. On me dit le cœur, à le dernier épisode que j'ai ramassé, on me dit que ça me donnait une vie de plus sur le serveur. Moi, je pensais que ça me donnait un cœur de plus en bas ici, mais ça a l'air que c'est pas ça. Ça m'arrive de me tromper régulièrement. Ah, trop loin. Ok, faut que je fasse des berries. Comment je fais des berries? Ici, tu m'as fait des slabs, ça me tente pas de sauter là tout le temps. Hein? Ok, passons aux choses sérieuses. Parce que sauter, ça coûte cher en nourriture. Ah, oh, ouais, j'aurais dû. Okay. Good enough. Good enough. Barry. Les barrels. Barrel of fun. Barrel of monkeys. Tout ça, une slap dans le fond, très simple. Il veut que j'en fasse 3. En fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 berries. Fait que j'en mets 2 couverts. Fait que je vais y mettre. Je vais juste enlever ça, ça. C'est tout cute la décoration, mais c'est pas pratique. Je vais mettre mes berries là. Puis là, à cause de ça, je peux pas y mettre là. Fait que. Parce qu'il faut que j'en mette 2 à couvert. Ah, tiens, c'est 8 saplings par berry. Ah, faudrait que j'en plante au moins un. Ok. Puis je vais en mettre le reste là-dedans. Pouit, 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 pouit. Et voilà. Wouhou! Je composte. Je suis bon pour la planète. J'ai-tu besoin d'autant de lumière ici? Je pourrais pas récupérer une de ces lampes-là? Non. OK. Un berry pour capturer la pluie. Si on va le mettre ici. Bon, quoi d'autre que mon livre me dit que je dois faire? J'ai fait les berries. OK, toutes les affaires de Tinker's Construct plus un chest. Relativement simple. Bébé Fafa, comme on dit par ici. Il faudrait que je fasse pousser nos tables. Pousse! J'ai besoin de ça. 2, 3. Ah, je peux pas en faire 3. Bon, je n'ai plus de bois. Pousse! Okay. Ah, c'est vrai, j'ai appris. Ah. Prends un petit break. J'ai regardé Trax jouer. J'ai appris que en dessous ici, il y avait ça. Un coffre avec des petits cadeaux. Fait que ça fait un peu plus de dirt. Hey, je suis vraiment dans la merde, moi. Je le veux, lui, mais je veux pas sauter. Attends un peu, si je faisais... Ok. Okay. Merci, bonjour. C'est quoi là-dedans? Ah, oh, j'ai du bone meal. On va aller bone mealer cette affaire-là. Hein? Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est quoi ça? Courrier. Ah, il faut bien que je lise ça. Mailbox. Ah, ok. On peut s'envoyer des lettres. Ça, c'est génial. Voici une boîte aux lettres, des enveloppes, du papier et des timbres pour permettre aux joueurs de communiquer entre eux, même s'ils ne sont pas connectés en même temps. Pour le fonctionnement, il suffit de prendre une enveloppe et pas plusieurs. Et pas plusieurs dans la même case. De faire clic droit, ensuite d'écrire le pseudo. Bon, il dort. Sorry, mais moi, j'ai même pas de lit. Sorry, mon ami. Même si t'as un nom appétissant, je peux pas t'aider. Ah, ok. Ah, oh non, non. Dors pas. Il reset la température et mouillera pas. Là. Ça me prend de l'eau.
Oh. Oh well. Les autres, ils ont probablement de l'eau en quantité industrielle, ils s'en foutent un peu. Au pire, au début, moi, j'ai un truc. Je suis pas en Europe, je peux jouer plus tard le soir, puis les autres, ça va être le milieu de la nuit, fait que moi, être tout seul. Alright. Boîte aux lettres. Ok, j'installe-tu ma boîte aux lettres? On va installer la boîte aux lettres. Pendant que ça pousse. Je sais pas comment ça marche, la boîte aux lettres, là. J'ai jamais utilisé. Tiens. Ma boîte aux lettres va être là. Comment ça marche? Ok, pas besoin de power. C'est ok. C'est fascinant. On va faire un petit test. Un time, je suppose. Là, je dois right-cliquer ça. Et oui. Ah, c'est quoi? T'es un peu. Comment je peux sortir de là? Ok. Traxos. Ok, on a une lettre à Traxos. Trax. Sauce automate. comprenez-vous? Trax sauce, sauce, sauce automate. Désolé, Trax. C'est plus fort que moi. Oups. Bon, je suppose que je mets un time, right? Authorization, ok, ça, parfait. J'ai mis le time, fait qu'il me reste juste à mettre la lettre à la poste, c'est ça? Ah, il y a un petit time qui est apparu. Funk to Traxos. On va aller mettre ça en boîte à mal. Yeah! J'ai envoyé un courrier à Traxos. Traxos tomate. Bon, ouais, c'est parfait ça. Lui, il serait peut-être... Oh, je peux pas tricher. Ben, j'ai besoin d'un coffre. Si je brise ce coffre-là, puis je l'ai dans mon inventaire, il va peut-être te dire « Ouh, t'as fait un coffre merveilleux, tu marches. » Non. Ça a l'air qu'il est plus intelligent que moi, ce jeu-là. Des choses qui arrivent. Mettre ça là, ça, on va tout enlever ça. Là, je vais mettre mon pic à sa place. Ça m'énerve. Là, faut que je fasse un autre coche. Je vais le mettre là. Là. C'est vrai, j'ai pas assez de bois. Ok, on va focusser sur la. Ah, j'ai déjà du beau mire. On va focusser sur. Assez de... Pas faire de stupidité. Ah! Je suis pris dans l'arbre. Oh, pas avec ça, c'est vrai. Je vais prendre mon. Crax! Un coup! Oh, il y a une pomme, une pomme, une pomme. Ah, yeah! Une autre pomme, une autre pomme, une autre pomme. C'est bon pour la santé des pommes. Sauf si on s'étouffe avec, mais ça peut être mortel. Wow! On va aller se faire une autre crux. Ah, j'ai tué. J'ai pas assez de bois. Faut que je me fasse une hache et tout. Ah, mon voisin, il fait de la scie. Il a une scie, puis il s'amuse avec sa scie. Je pense qu'il essaie de scier des roches. Je sais pas, mais si vous l'entendez... Si vous l'entendez, je suis désolé, je peux rien y faire. Malheureusement, je n'ai pas de contrôle sur mes voisins. Ah, je peux pas faire d'âge de même. Ok, c'est beau. Va falloir que je fasse le Tinker's Construct, machin truc. Je peux me faire un Crux, par exemple? Un Crux? Pourquoi j'ai un Crux? What the... Il n'y a même pas de S à la fin, c'est Crook. savez-vous que c'est ma fin? Tant qu'à être là, puis à frapper du bois, puis que vous emmerdez, on va faire pousser une coupe d'arbres, essayer de ramasser des pommes, pis tout ça. Puis je vous ramène aussitôt que j'ai de quoi d'un peu plus intéressant à vous montrer.
Bon, je pense que j'ai assez de bois pour tout faire. Oh, c'est vrai, j'ai une pomme. Je vais la manger parce que mon problème commence à s'alourdir. Mais je sais qu'il faut que je fasse une canne à pêche dans pas grand temps. Fait que je vais peut-être pouvoir manger du poisson, ce sera pas long. On va finir ça. J'ai besoin de ça. Hey, toi, si t'en veux que tes skis, débarque de là. Je pense qu'on avait juste besoin de trois, mais c'est pas grave. Il faut aussi que je fasse un... ça. Ça, c'est fait. Je regarde pas à bonne place, mais pas en tout, moi, là. Ça, c'est fait. Un coffre, un ça, puis un ça, puis un ça. OK, c'est clair. Là, je veux pas tout transformer en planche. Okay, fait que lui, c'est fait. Là, si je mets ça à côté, je devrais avoir accès à ça. Parfait. Là, dans le coin ici, je vais enlever ces blocs-là parce qu'ils vont me fatiguer. Bon. Là, je sais qu'il y a une affaire qu'on fait de même. Il y en a un, je sais que c'est de même. Puis l'autre, je ne me souviens pas. Je pense que c'est un workbench. Ouais, je pense, je crois, je suis pas mal sûr que c'est un workbench avec un bidule par-dessus. Fait qu'un tool station. Oups. NAI. Tool station. C'est ça. C'est un workbench avec un. OK. M'enlever ce workbench-là, j'en ai un autre à cette heure. J'ai plus besoin de celui-là. On gaspillera pas, on va recycler. Et voilà. Puis je vais déposer celui-là aussi. Puis, ça, c'est quoi le Parts Builder? Lui, je voulais l'avoir. Mais laisser un espace là. Vous allez comprendre dans 2 secondes pourquoi. Ils m'ont pas dit de faire ça, mais je sais que je peux faire ça comme ça. M'attendre parce que peut-être ça va être une quête. OK, attendez ça 2 secondes. On va aller chercher notre récompense. Tiens, je veux des pommes, j'ai faim, je veux des pommes. Ah, c'est ça. Reward. OK, j'ai ça, puis il faut choisir un de ça. Pan of Destiny. Axe of Despair. Ah, tiens, j'ai besoin d'une hache, justement. J'espère qu'elle est bonne. Despair, du désespoir. C'est pas bon signe. Ah, ça fait du bien. Wow, un demi morceau de poulet. J'aurais dû chasser me remplir au complet. Ah ben. Ah, bon, ok. Ça me stresse un peu moins. Ok, next. Il m'a donné ma hache du désespoir. Parfait. Ah, cool, il fait nuit. Couchez-vous pas. Couchez-vous pas. Y a-tu quelqu'un là? Hello? Allô? Allô? Non. Ça, c'est fait. J'ai ma hache du désespoir. Ah, j'ai un reward bag. Ah, ben oui. On va aller voir qu'est-ce qu'il me donne. Une hache. Sérieusement, une hache. Tu viens de me faire choisir une hache, puis tu me donnes une hache. OK, fine. Fait que là, j'ai 2 haches. Ouais! Wow! Quelle qui est bonne. Skill, clumsy, durabilité 147, running speed, c'est le point. Oh! Tout t'en vas là. Tout t'en viens ici. Je vais mettre des affaires dans mon coffre. OK. Là, il m'a pas dit de faire quelque chose que je voulais faire. Je vais le faire moi-même. Ça, c'est un... pour mettre les patterns, là, tu le colles cette affaire-là. Fait que là, tu as accès à ce coffre-là. Fait que là, tu peux faire des patterns. J'ai-tu besoin de patterns? Non. On va aller couper du bois. Oh, un peu. On va voir c'est quoi notre prochaine. Là, non, attends un petit peu. Là, je suis pas organisé, puis ça me fatigue. 3. Là, c'est comme ça. Yeah.
J'ai ça que je vais mettre là. J'ai ça. Celle-là. Celle-là. Là, j'ai pas assez d'espace sur tous mes livres, mais au moins, ça fait un petit peu d'espace dans mon inventaire. Oh, du dirt. On récupère notre dirt. Yay. On va mettre d'autres saplings. Tiens. Bon, OK. OK, là, je me sens un peu mieux. J'ai plus d'espace. Oups, on va mettre ça là-dedans. OK. Qu'est-ce que ça dit next? Ça dit pas grand-chose. Comment je peux revenir? OK, le même. OK. Unlock one quest. String is the getaway gateway to all resources. Fishing rods will provide food. Sieves are used to sift dirt, gravel, sand and dust to obtain stone, ores and other resources. To get through, you will need to break leaves with your crook until you receive a silkworm. Right-click a leaf block on a newly grown tree with the silkworm. Walk away when all the leaves on the tree have turned white. Break them with a crook to get string and more silkworm. When you have extra silkworms, you can cook them for food. Ah, I see. La corde, c'est le truc pour avoir toutes les ressources qu'ils disent. On peut faire des cannes à pêche qui vont nous fournir de la bouffe. On peut faire des tamis pour passer le dirt dedans puis ramasser des affaires pour obtenir des petites affaires, des minerais puis d'autres ressources. Pour avoir de la corde, il va falloir qu'on mette un silkworm. Ben, il fallait ramasser des silkworms avec notre crook. J'en ai ramassé. Là, on va mettre ça dans des feuilles dans l'arbre. On va infecter l'arbre avec des silkworms. C'est ça que ça dit. Là, les silkworms, les vers à soie, ils vont se reproduire. Ils vont transformer les feuilles. Ça va être plein de soie. On pourrait faire de la corde avec la soie qu'il y a dans les feuilles. C'est autre chose que ça dit, ça? Puis ici, on a des silkworms, des vers à soie d'extra. On peut les faire cuire, puis ça fait de la bouffe. Yay! De la pluie! Je vais remplir mon baril d'eau. OK. Fait que je vais aller planter un arbre. Tu sais, j'ai ici, ça va pas de ça. C'est ça qui dure. On va aller planter un arbre par... ça, peut-être? Non! I guess c'est un peu le problème de jouer à plusieurs. J'ai même plus de sapling. J'ai-tu tout passé mes saplings? Non, ils sont là, c'est juste moi qui. Juste moi qui est épais. J'ai du bone meal. J'ai-tu tout mis dans le coffre, moi? Ben oui. Trax, il me parle pas. Je pense qu'il me fait baboune. Come on, pousse. Ah, c'est pas. Je voulais pas un gros. Ah. Let's go, on a rien à perdre. On va affecter ça qu'un verre à soi. OK, fait que là, si c'est infecté, ça devrait infecter d'autres feuilles. Il faut juste laisser aller. Se croiser les doigts. Je vais peut-être en mettre plus qu'un. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Tiens. Ça marche-tu? Ah, je pense que ça marchait pas parce que j'étais trop haut. OK, bon. C'est le niaisage, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse next? Ok, c'est faire de la corde. Faut que je fasse un sieve, ça me prend de la corde, ça. Wooden hammer, puis un lit. Ok. Le lit, ça prend de la corde. Le hammer, je pense pas que ça prend de la corde. Qu'est-ce que ça prend pour faire un wooden hammer? Deux bâtons, puis deux sur ça, c'est relativement facile. Je peux le faire tout de suite. Faut que j'aille couper mon arbre dehors.
C'est moi qui parle? Nah. Bon, ben, je vais continuer à ramasser des ressources. Un mec, mes vers à soie ayant infecté ça bien comme du monde, je vais vous ramener. Bon, je suis de retour. Êtes-vous prêt? Wouhou! Ah, il est quasiment tout blanc. Ça s'est infecté. Ça allait pas mal plus vite que je pensais. Moi, je pensais que ça prendrait du temps. Mais c'est ça. Là, avant de monter là, on va me faire un autre croc. Zout, zout. Et voilà. Je me suis fait des échelles pour pas monter, pour pas sauter, pour pas économiser l'énergie. Là, ouais, les autres, je peux mettre là. Ok. Je vais les mettre ici, c'est mieux que dans mes mains. Ok. Là, on est supposé avoir de la corde. On va essayer de finir ça ici. Un cifre, je sais pas c'est combien ça. Deux cordes, ça, je sais pas. Ça va me prendre 12 cordes, ça fait 14 cordes. On va aller voir le cive. Le tamis. C'est... Oh, 9, 18 cordes plus les 14, ça me va me faire 32 cordes. Arrgh, ok. Là, faut que je monte là de quelque manière. Ah, je voulais pas descendre là. Ah. Tiens, je pense que je vais monter ici. Tiens. Une corde, c'est une corde par... Non. Ok, let's go la corde. Je sais pas combien de cordes m'avoir avec cet arbre-là, mais... Là, je sais pas si je peux ramasser ça, puis laisser aller les feuilles qui sont encore vertes. Je me suis rendu à combien? 11? Ok, ça va vite. J'ai dit que j'en avais besoin de 32. Pour finir... la première... cette quête-là, anyways. Oh! Un backup du serveur! Le serveur recule! Backup... Non, laisse faire. Tentative d'humour, là. Epic fail, comme ils disent. Oh, j'ai beaucoup de fer à soie, mais j'ai rien pour les faire cuire. C'est bon, des verres. Moi, c'est un de mes repas préférés. Des fois, je m'en vais dehors, je me promène, je vais dans les poubelles, puis je ramasse des verres. Ah, yak. Pour ceux qui savent pas, je niaisais. Je ne mange pas de verre. J'ai 31. Oh, ça, je sais pas c'était quoi, mais il est parti. 32. Bon, on va aller finir cette quête-là. Par ici, par là. Oh, fuck. Ok, bon. Au cas où que décide de passer par la fenêtre, je peux pas boucher, boucher ça de même. Ça, ça lagrait un peu. Ok. Je suis relativement safe. Ah, on va finir ce qu'on faisait. Là, faut que je fasse un lit au moins. Ça veut dire, ça va me prendre 1, 2, 3. J'ai besoin, faut que je me fasse une canne à pêche. Il faut un sieve, ça c'était ça. Ok, de même. Parfait. Deux de ces affaires-là, puis il me reste deux cordes pour faire ma canne à pêche. Parfait. Hein? On commence par le lit. Oups. De même. J'ai fait mon lit. Le cive, c'était ça, ça. On prend plus de bâtons. De même. Ça. Et ça. Et il me reste juste la canne à pêche. Ouais, c'est vrai, ça en prend 3. Yeah! Wouhou! Je pense que j'ai tout, hein? C'était ça? Yeah! Je suis prêt pour une récompense. Ok, ça, je reçois ça. Hey, c'est assez les haches, là? J'en ai déjà deux. Vont-tu me donner des haches chaque fois? J'aimerais savoir un iPad ou quelque chose comme ça à place. Ok, qu'est-ce qui serait le meilleur là-dedans? Je pense que je vais aller avec les carottes. C'est bon pour les yeux, j'en ai besoin. Tiens, selected. Ok, faut que je clique ici. String theory, non?
juste... Ah. C'est une quête en deux mouvements? OK. Stone in the dirt using a device which created. Ok, il faut que je me serve du sieve. Ça me prend un cobble pour finir. Ok, on va se mettre un sieve. J'aimerais ça peut-être le mettre dehors, mais là il y a des squelettes qui m'attaquent. On va le mettre en dedans, je le déménagerai plus tard. Là. Ok, là on passe à travers le tamis. Ça m'a donné. Oh, 4 petites stones. Je pense qu'on faisait de même. Yeah, c'est ça. Là, je pense que j'ai fini. Yeah. Ok, carotte. Claim reward. Génial. Ça, ce cœur-là, quand je vais en avoir 4, je vais pouvoir les mettre ensemble. Puis faire un cœur au complet. Bon, on va faire pousser des cœurs. Ok. Là, alors, ça va être assez pour aujourd'hui. Je pense que ça fait déjà une petit épisode relativement long. J'ai pas évolué beaucoup. C'est sûr, au début, c'est un peu lent, mais on va évoluer plus vite. Puis, anyways, plus tard, on va peut-être couper les grands bouts. On va faire beaucoup d'affaires en arrière de la caméra. Ben, on va voir. On va voir comment ça évolue. Je connais pas le mode beaucoup, Agrarian Skies. Je sais pas à quelle vitesse ça va évoluer, puis ça. On va voir. J'espère qu'il va y avoir plus d'action dans le futur. Les squelettes, là. Mais pour le moment, c'est le rythme que je vois. Anyway. Si vous avez des suggestions ou quelque chose, gênez-vous pas. Comme je dis, je suis très nouveau à Agrarian Skies, au ciel agrarien. je sais pas si c'est le nom, mais c'est le nom que je vais utiliser. je suis très nouveau à ça, fait que ça se peut, je suis à côté de la track. Si vous avez des trucs pour moi, des commandes, n'importe quoi, des suggestions, gênez-vous pas. Yeah, si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime, l'affaire en bas à gauche, là. C'est pas juste une décoration, ça, hein? puis abonnez-vous à ma chaîne, ça c'est sûr, comme d'habitude. Ça, je devrais même pas le mentionner, c'est automatique. Si vous aimez une chaîne, abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup la personne. Anyways, m'a coupé ça ici, puis je vais vous reparler la prochaine fois. Bye bye!